Volkswagen T-Roc avec la belle caméra de recul. Voilà, je vous l'avais déjà filmé un petit peu, mais je vous la refilme parce que je vous avais mal expliqué les options. Et on va en sport. Là, je suis en écho pour l'instant. Tu veux qu'on change? Je peux mettre en sport. Bien qu'on fasse sport sur l'autoroute peut-être. Là, je vais rester en écho, cela. Et en confort, ça donne quoi? On part en normal. Bon, là, comme on connaît... Sous diesel, Essence. essence. Panoramique. Il l'ouvre. Ah, il est ouvrant en plus. Ah oui. Voilà. Toi ouvrant comme vous voyez. Et je vais refermer. Non, c'est confortable, c'est bien de Saint-Martin. C'est confortable. C'est confortable. J'ai un petit peu d'air frais, tu vois, je peux mettre de son côté. Hein. Non, ça va. On peut en mettre que chez moi ou que chez toi, ou que chez toi, que chez moi, il y a un vêtement que j'aime. Voilà. Cette voiture fait 110 chevaux et ce qui est bien dans cette voiture, c'est que vous avez des petites LED comme ça pendant tout le pourtour. Voilà. En dessous de mon accoudoir, en fait, il y a aussi un rangement. Et là, la bouteille d'eau, si je l'ouvre, vous avez de l'espace. Bon, je ne sais pas comment ça va, ça n'a pas. T'as entendu la différence hein, du bruit? Oui. Parfait. Je vais mettre mode. Non, je vais laisser mode sport parce qu'on va bientôt arriver sur l'autoroute. On va laisser en mode sport. Le bruit est différent, hein? Alors comme tu demandais tout à l'heure, c'est une 110 chevaux et c'est 1496 cc. Ok. Et ce que j'ai vu ta belle lampe là. Oui, tout à fait. C'est le modèle de la voiture, c'est un rail design et donc ils font des choses un petit peu plus sportives, dont les lampes ici par exemple, tout à fait. Je pense que tu peux la changer de couleur. Ça, je ne sais pas. Faudra que je regarde alors dans la notice. Ça, je ne sais pas te dire. Je pense, oui. Alors, on va aller. Donc là, je vais sous le cruise control F120. Et donc, c'est un cruise control adaptatif. Donc, la voiture va toujours rouler à 120. Je vais essayer de faire, je vais essayer de faire. Et si la voiture qui est devant moi va traîner, tu verras, la voiture va traîner toute seule. Je vais pas regarder mes pieds, je vais pas les employer. Hein. Ça roule tout seul à 120, là je fais rien. Ça roule tout seul. Et le line assist il est mis, comme on peut voir ici, donc le cruise control il est mis, line assist aussi. Donc la voiture va toujours suivre en fait les lignes là. Là ça dit 120, à son aise. Regarde là voilà. Là je passe à 118, comme la voiture devant moi traîne un petit peu, 120. Et... 119, elle freine. Et là, tu peux rien. Là, je fais rien. Là, je fais rien. Là, elle roule toute seule. 117. Et si je vais hop à gauche, elle va donc réaccélérer à 120. 119. Et 120. Et voilà, je passe un petit peu. Voilà. Et là, je l'ai mise à 124 avec mon pouce. Ici, en fait, je vais dire la résistance que je mets. Les embouteillages par exemple, ben, je ne vais pas toujours redémarrer et tout ça. Elle va juste suivre la voiture qui est devant
et donc s'arrêter, freiner, redémarrer. Donc c'est très pratique si on a des embouts. Faut pas qu'il y ait un bug. Non, non, il faut rester attentif. Hein. Malgré que c'est installé, je suis toujours bien attentif, je regarde toujours tout ce qui est la route. Hein. Il faut regarder qu'il y a tout devant moi. Hein. Mais c'est quand même très cool. Donc c'est fiable. Si tu dis. Non, je suis très contente du système. Et donc c'est une boîte DSG, une des meilleures, hein, Martin, t'es d'accord avec moi. Oui. Et en fait, on sent même pas qu'on change de vitesse ni rien. C'est très confortable. Ici, je suis en 7ème vitesse, par exemple. Je vais mettre, hop, je l'avance, hop, on va mettre à 124. 125, et on est parti. Je vais me rabattre un petit peu à gauche à un moment. Là. Voilà. Et on y va. Donc il y a le line assist qui nous remue avec le cruise control. Et ici j'ai le trajet que j'apprends qui est affiché devant moi. Et donc je vais montrer. Ah non, je vais voir celui-ci. Je peux me rabattre. Oui, je peux me rabattre. Et ici. Ok. Parfait. Donc en fait, ici, je vais me rabattre un petit peu. Un petit peu au dernier moment, parce qu'en fait, dans mon rétroviseur, j'ai une petite lampe orange. Et si elle est allumée, c'est que je peux pas me rabattre. Et si elle est éteinte, je peux me rabattre parce qu'elle est passée dans mon angle mort. Donc là, c'est bien prêt. Voilà, ici à droite. Oh, un peu orange. On va s'arrêter. Voilà. Comme ça. Qu'est-ce que tu disais? On parlait de la boîte, voilà. Donc ici, elle est mise en drive normal. Je peux la mettre en stick. Donc je vais juste aller à droite. Et là, plus, moins, je change de vitesse en fait. Plus et moins. Bon, moi j'apprends toujours en normal en fait. Donc voilà. Pratique ici, c'est aussi que chacun de son côté, on peut régler la température qu'on veut. Donc si tu veux 23 degrés et moi 17 degrés, on peut aussi faire chacun de son côté. Ouais. Ça, c'est quand je veux le mettre et le retirer, je peux appuyer là. Ici, c'est pour le remettre sur une vitesse plus ou moins, donc un peu plus vite ou un peu moins vite. Enfin, ici, c'est pour la radio, volume, changer le mode, raccrocher le téléphone. Ici, c'est, bon, je vais prendre la radio, prendre mon téléphone, prendre autre chose, je peux faire ici. L'autonomie, donc on a mis 450 km à faire. Et là, donc c'est sélectionné. Donc tout est automatique, donc c'est tout mis en auto. Donc ici pour les phares, c'est automatique. Donc dès qu'il fait un peu plus sombre dehors. Ah mince, je vais sortir. Je sortirai la prochaine matin. Voilà. Dès qu'il fait plus sombre dehors, hop, ça se met automatiquement en route. Pareil pour les essuie-glaces. Tout à fait. Alors, hop, voilà. Coffre automatique. Voilà, ça c'est quand on fait les courses d'habitude. Au moins qu'il y a peut-être, je préfère le mettre en fait en plus grand coffre. Voilà, voilà. Ici il y a tout ce qu'il faut en dessous. Ouais. Et voilà. Et montre comment on ferme. Ouais. On appuie dessus. Hop, je vais en remettre. Donc c'est ce qu'on a en fait.